Alice au pays des merguez. Tout comme Alice au pays des merguez. Et mon patronyme pourrait le laisser entendre. Croyez-vous qu'il eût été plus difficile pour une Noureddine de percer un chanteur français? Mon nom, effectivement, c'est Noureddine. Effectivement, mon nom est arabe d'origine, kabyle, très exactement. Mon grand-père était kabyle. Il est venu en France en 1920 environ. Et là, il a fait souche avec une française. Il a fait une famille française, en fait. Mon père est né en France, il a été baptisé, religion catholique même. On n'a pas baptisé sa fille, lui, mais voilà. Et en fait, je n'ai de la culture orientale que le nom. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai milité ou voulu militer pour ça, parce que ça aurait été l'usurpation. Je n'ai rien d'une enfant de la troisième génération comme je devrais être normalement, parce que mon grand-père a absolument lui-même abandonné sa culture. Il a fait carrière dans la police, dans l'administration française. Il est arrivé à Marseille, et puis en fait, il a tout de suite été à Paris. Et puis, c'était une époque où les intellectuels et les Algériens vivaient à l'occidental complètement. Et lui a toujours vécu à l'occidental. La seule chose qu'il faisait, c'est le couscous. Très bien d'ailleurs. Il n'a jamais mis ça en avant en fait. On n'a pas été élevé, ni ses enfants, ni moi, ni mon cousin n'ont été élevés dans une quelconque culture arabe. Mais vraiment pas. Ce que je sais de ça, c'est très lointain. Donc je ne le sens pas du tout, je me sens très française. J'ai pas cette culture-là. Pourquoi j'ai gardé mon prénom? C'est tout simplement que Noureddine est un nom horrible à orthographier. C'est un R et deux D. Voilà pourquoi j'ai gardé juste un prénom. C'est que j'ai un nom qui a couché dehors. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à chanter à Toulouse, on me connaissait sous le nom de Juliette. J'ai gardé ce nom-là. Si c'était à refaire, je pense que je choisirais peut-être pas un pseudonyme. Je prendrais peut-être le nom de ma mère, le nom de jeune fille de ma mère. Non pas parce que j'ai honte de ce nom Noureddine, mais parce que justement, il est impossible à écrire. J'ai pas envie qu'on le massacre. Ça a un autre intérêt. C'est que pour moi, en tant qu'individu, c'est très pratique d'avoir Juliette chanteuse et Juliette Noureddine, auteur-compositeur, Juliette Noureddine qui joue au cinéma. Comme ça, ça différencie bien les choses. Juliette, c'est la fille qui chante sur scène et qui fait des disques. Et en fait, ça m'arrange bien. Il y a un bon exemple dans la chanson aujourd'hui, c'est M. C'est Mathieu Chédid pour tout le reste. Et puis c'est M quand il est sur scène avec sa coiffure pas possible. Voilà, j'ai bien répondu.